parti chercher un cahier de brouillon dans la réserve pour Mr. T, qui avait fini le sien. C'est ça l'avantage d'avoir une réserve à la maison, c'est dès qu'il y a besoin de quelque chose, on l'a tout de suite sous la main. Donc il va pouvoir se mettre à travailler, ce que bon, pas très en avance. Ça va? Oui. T'es mignon. Mon pull. T'as des... Non, t'as pas de devoir, toi t'as rien à faire. Bah si, pour aujourd'hui et demain j'ai une évaluation, donc faut que je fasse des recherches. D'accord. Tu révises? Ouais. Ok, ma puce. Tiens, Mister. Cahier. T'as rien. Et oui, il est 11h. Ce que je disais, il faut qu'on se mette au boulot. Mais c'est parce que ce matin, bah, les loulous se sont détendus. Et moi, j'en ai profité pour peindre le bas de la verrière. J'ai mon petit foutoir qui est pour nettoyer. Et comme ça, après, je vais pouvoir... J'ai mis la sous-couche sur le montant de la verrière. J'ai plus qu'à faire les couches de peinture noire et poncer entre deux. J'en ai deux qui chicanent. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Oui, mais les yeux, ça douleur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moi avec un pull. J'espère. Tu veux me faire voir ta chambre? Non. Oui, moi. Allez, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aujourd'hui, en fait, t'as mis des arrondis dans la chambre à moi, avant que c'était ma chambre. Et bah, en fait, moi, ils dorment maintenant là. Et pourquoi Rosie elle est avec toi? Parce que son nom... Je sais plus. Parce que tu dors mieux avec ta sœur. Ah oui. C'est ça? Oui. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait de l'autre côté? Et on a fait la salle de jeu. Et là, il y a tous les jouets. Oui. Waouh. Trois fois mon jeu. Et oui, gros changement qui s'est passé pendant les vacances de Noël suite à une petite tempête qu'on a eue la première semaine. Ça a fait des petites frayeurs à Lizzie, mais Lizzie avait déjà un sommeil très compliqué depuis qu'elle est née. On connaît la raison pour laquelle... Non, Rosie, sois Mimi. Maman, t'as... Oui, je sais, j'ai vu. Et donc, enfin voilà, c'était en pleine nuit, on s'était couché tard, j'ai pas cherché à comprendre, ni une ni deux, j'ai pris son matelas, je l'ai mis dans la chambre avec sa sœur. Et depuis ce jour-là, son sommeil a été, son problème de sommeil a été résolu, mais instantanément. Et elle nous a fait des 9h, 9h30, 10h du matin. Là même ce matin, mercredi, elle a fait du 8h30. Honnêtement, pour elle, c'est exceptionnel, parce qu'habituellement, c'est du 7h, 6h30, 7h. En fait, dès qu'elle entend un réveil s'enclencher, elle est tout de suite debout, elle n'arrive pas à se détendre, elle n'arrive pas à se poser et plusieurs fois elle se réveille la nuit aussi. Et depuis, c'est complètement terminé. Donc, on a pris la décision de réunir les filles ensemble dans la même chambre pour qu'elles couchent dans la même chambre. Donc, elle vous a présenté. Donc, pour le moment, c'est un petit peu dépareillé au niveau des couleurs. Mais c'est parce que, voilà, on a pris ni une ni deux, on a installé ici. Donc, le lit de Rosie dans la chambre à Lizzie, mais fallait aussi... En fait, on a pris le choix de les installer dans cette chambre-là, c'est parce qu'il y avait déjà le placard intégré qu'on avait fait, qu'on a réaménagé pour Lizzie à l'intérieur. Et ça nous évitait de changer, de réinvestir dans une armoire ou autre. Donc voilà, c'était plus simple que Rosie vienne ici avec son armoire et sa petite commode que j'ai mis là. Et comme ça, ici, c'est vraiment leur chambre avec leur petit coin lecture. Ils ont un panier là et il y a deux paniers sous lit à Rosie. Parce que ça, on n'a pas encore fait le tri dans le nombre de livres qu'elles ont. Et depuis, c'est vrai que ça se passe super bien au niveau du sommeil de Lizzie, c'est vraiment génial, voilà, c'est révolutionnaire. Et aussi, on a mis en place le petit réveil qu'on lui avait offert pourtant il y a 2 ans. Ça, oui, pas... Non, il y a un an. Pas Noël là, mais Noël dernier. Bon, là, il y en a une qui me l'a décroché, je crois bien. Et en fait, c'est un petit réveil. Attendez, je vais vous le mettre à l'heure, ça sera quand même plus. Donc voilà, j'ai programmé le réveil parce que Rosie l'avait débranché en jouant hier. C'est vrai qu'il est bien, mais le fil est pas pratique. Est-ce que je peux prendre le PC pour aller te voir? Oui, oui, vas-y, j'ai fini. Merci. Donc en fait, c'est un petit réveil qui indique l'heure, le but d'un réveil, hein, accessoirement. Voilà, donc il nous indique l'heure ici avec les aiguilles. Là, on a le réveil et en dessous, on peut avoir même un autre...
type de réveil, sauf que nous on l'a pas enclenché. Et là il y a la petite lumière, donc en fait c'est que, donc il y a l'heure, là les filles elles savent que le matin quand la petite fille fait de la balançoire, c'est qu'elles peuvent se réveiller. Et moi je l'ai enclenché vers 7h15, 7h20 le matin, pour qu'elles aient le temps de se réveiller, tranquillement. Je viens les réveiller vraiment officiellement à 7h30, au moins comme ça elles savent que le réveil s'est enclenché, que maman va pas tarder, qu'il faut se mettre en mode on se réveille, on s'étire et compagnie. Et le soir donc on l'enclenche et on le met en position nuit, je sais pas si ça, voilà. On le met en position nuit, donc c'est l'heure du dodo. Et tant que la petite fille sur la balançoire ne s'allume pas, ça veut dire que c'est toujours l'heure du dodo. Donc voilà, donc on a mis ça en place parce que Rosie, elle, à l'inverse, a énormément de mal à se réveiller le matin. C'est une catastrophe, donc j'en ai une qui se lève trop tôt et une qui se lève trop tard. Et ça permet de régulariser leur sommeil à toutes les deux. On le met pas le mercredi ni le week-end parce qu'on tient à ce que Rosie aussi puisse finir son cycle de sommeil normalement et que Lizzie aussi arrive à régulariser le sien avec le reste de la famille. Donc voilà, donc ça c'est vraiment juste pour les 4 jours école qu'on l'a mis pour que ce soit plus facile parce que Rosie a vraiment du mal à sortir de son lit le matin. C'est très compliqué de se mettre dans la routine du matin. Donc voilà. Et donc de l'autre côté, on en a fait une salle de jeu pour le moment. Je vous dis pour le moment parce qu'il risque d'avoir des plans qui devraient changer peut-être. Désolée, je prends une petite café, petite pause de café. Il y a peut-être des plans qui vont peut-être changer les prochains mois, donc bon, on verra. Donc on s'est pas foulé, on a pris leur jeu, leur meuble et on a positionné et ça donne une salle de jeu où elles sont bien contentes de jouer, même si elles se chicanent quand même pas mal de temps en temps. C'est encore difficile à mettre les jouets en commun. Pour le moment, elles ont quand même encore l'habitude d'avoir leur meuble à elles et leurs jouets qu'il y avait dans leur chambre individuellement. Donc là, il faut vous mettre en collectivité, on va dire, et partager. Et ça, c'est encore un petit peu compliqué. Mais ça va venir, je m'inquiète pas, parce qu'on va faire prochainement, on va vider tous les bacs et faire un gros tri au niveau des bacs. Et je vais acheter aussi des étiquettes qui se collent sur les bacs pour pouvoir... pour qu'elle puisse ranger correctement, parce que Lizzie range très bien, mais Rosie pas du tout. Rosie, elle fourre tout dans un coin. Donc au moins, ça permettra de ranger à chacune, et que même aussi, quand les grands frères et les grandes sœurs viennent, puissent savoir où est-ce que ça se range aussi leurs affaires. Donc voilà. Est-ce que tu veux faire la présentation de la salle de jeu? Hein, Rosie? Non. Non, tu es tranquille ce matin. Donc voilà, donc c'est une salle de jeu à moitié rangée. Donc là, il y a le petit coin lecture, enfin écriture, surtout pour Lizzie, avec aussi en même temps le petit coin dinette. Là, on a tout ce qui est jeux Playmobil, maison en bois, tous les bacs de jouets, les Barbie au fond, les poupées. Et là, c'est les jeux à Rosie aussi qui va faire contrer. Et le petit coin encore d'écriture à Lizzie, qui est une fan d'écriture, cet enfant. Et le petit lit superposé pour les poupées. Et ma petite Rosie qui est fatiguée. Fatiguée ce matin? Non. Ça va? T'es contente de la salle de jeu? Hein? Est-ce que t'es contente? Oui. Tu joues à quoi? À rien. À rien ce matin. T'as pas envie. On va dessiner? Non. Tu vas pas dessiner? Faire du coloriage? Tu veux Spirit? Ah bah oui, mais on regardera tout à l'heure Spirit, là on va pas le mettre chérie. Non, un Playmobil. Ah, ton Playmobil, et bah faut le chercher. Voilà, le partage est un petit peu compliqué comme je vous expliquais tantôt. Il est où Spirit ma Lizzie? Dans ta main? Ah c'est Fanny. Oh bah y est, on m'a donné à 3. Ah, ce cheval, hein, il en fait des misères à ses filles. Non. Fanny va le garder. Fanny va le garder, ça, elle? Ah, bah voilà, c'est résolu. Maman, tu vas manger. Bah oui, mais on fait le shampoing quand même. Hein, Bichette? Non. Bah si, mon petit ange. Il est trop long. Oui, c'est un peu long. Bah, prends un livre. Vas-y. On se retrouve dans la salle de bain. Parce que Miss Lizzie avait... comment dire, de la compagnie au niveau du cuir chevelu. Et pour pas que ça se propage aussi bien chez nous comme à l'école aussi, et ben ce soir c'est shampoing pour Minette qui marche très très bien.
Nous, franchement, c'est vraiment le truc que depuis qu'on a découvert ça, c'est vraiment une merveille. Je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous le représenter pour ceux qui n'avaient pas vu le vlog. C'est en fait, on utilise de l'huile de coco, mais de la vraie huile de coco, que je badigeonne sur tous les cheveux et ça permet de tuer les poux, mais comme les lentes en fait, parce que c'est bien beau d'avoir de tuer les poux, mais c'est souvent les lentes qui restent le plus longtemps. Alors ça les décroche pas très... Enfin, il reste des fois certains un peu accrochés, mais avec le temps en fait ils tombent parce qu'ils sont morts et dans les cheveux. Donc on met ça et on laisse poser 1 à 2 heures. Et vu que là il est 17h, je pense qu'on va faire bien le... Pas les 2 heures, mais bien 1h30 sur la tête. Et franchement, juste après à la douche, je nettoie avec un shampoing. Alors je fais le shampoing à sec le premier. C'est-à-dire que je mets pas d'eau sur les cheveux. Je fais tout de suite le shampoing et ça permet que le gras de l'huile coule plus facilement. Et après on fait un deuxième shampoing normal et puis on passe le peigne avant. Là je vais regarder, pendant que je vais lui faire ça en fait, je vais passer le peigne et je repasse le peigne après aussi. Donc ça permet d'en enlever aussi au passage certains plus facilement, s'il y en a. Et puis après ça, ça sera petit, je vous le fais maintenant parce que je risque d'oublier sinon tantôt, c'est que je leur badigeonne de l'eau à la lavande sur les cheveux. Donc ça je le mets donc après le shampoing de l'huile de coco, mais aussi après chaque shampoing de cheveux. Quand elle se lave les cheveux par semaine, après chaque shampoing, je mets ça sur la tête de tous les enfants, donc en bas de la nuque, derrière les oreilles et au milieu, parce que des fois la zone T peut être là-haut. Par exemple Lizzy, c'est sa zone T. Et après ça, je leur mets, parce que c'est pas fini, mais tout est naturel, tout, je trouve tout ça au magasin bio. Je prends de l'huile essentielle de lavande vraie. Voilà. Attends Bichette. Et de l'huile essentielle de tea tree. Et voilà. Et ça je mets aussi après chaque shampoing en bas de la nuque. J'en mets, on met en bas de la nuque. Et celui-ci que je vous ai présenté, donc c'est après chaque shampoing. Et j'en mets pour les minettes tous les matins avant de partir à l'école. Je leur lève les cheveux. Et je mets en bas des cheveux et derrière les oreilles, ça tous les matins. Donc voilà. Ah ouais, je parle toute seule, je suis timbrée. Et donc voilà. Donc je vais m'atteler à faire ça. Parce que là, je pense que j'en ai pour une bonne demi-heure, 40 minutes à faire cette tignasse. Parce qu'elle a les cheveux fins, mais elle a une bonne touffe de cheveux. Ah ma Mimi, c'est bon, t'as tes livres? T'es installée? Et puis bah ce matin, c'est pour ça que j'ai fait les changements de lit aussi pour nettoyer. On a nettoyé les oreillers, les couvertures. Enfin, c'est le grand nettoyage dans ces cas-là, comme ça aussi. Après, je vais m'arrêter. Oui, mon petit cœur. Et après, ça va me saouler. Non, dis pas ça. La joie d'avoir des grands frères et des grandes sœurs. Le langage déraille au niveau des cadets. Et en plus, Dylan, il m'embête toujours. Oui, allez, au boulot maintenant. Shampoing. T'es jolie? Non. Non? Oh bah bon, ça. Toi, c'est pas joli. Ah, allez, Zoufi. En tout cas, c'est moi la plus belle. Oui, t'as raison. Alors, maman, elle a enfin trouvé une pâte feuilletée pure française avec du blé français, du beurre français. Donc tout est à base, les ingrédients, tout est à base qui viennent de France. Tous les ingrédients viennent de France, voilà, c'est pratique. Donc voilà, c'est 100% français, c'est de la marque Croustipate. Voilà. On va l'utiliser maintenant pour faire la galette des rois de ce soir. Thank you.
C'est bon? Oui. Ok, c'est bon. Rosie. Rosie, donne ton assiette, s'il te plaît. Elle a pas fini. Mais si, c'est sur sa fourchette. Triche, hein. Timéo. Oui, oui, attends. Bah, en fait, il l'a fait, mais je l'engage. Par tout le monde, hein. Il en fait une et il l'engage. Par tout le monde? Ouais. Oh, bah, t'es mort. Ah, bah, oui, hein. C'est lui qui a voulu mettre le gage. Donc, ça te gage. Moi, je te le donne tout de suite. Tu fais, non, la, tu fais la vaisselle. Mieux. Au départ, c'était papa qui devait tomber dessus. Un lapin crétin, ouais. Parce que je voulais que ce soit toi qui tombe dessus. Fais voir. Comme ça, en poulet, il y a un lapin crétin. Elle va juste dire si elle revient ou pas. Elle a de bon large, là. Ah oui, ça s'est décollé. Bon. Est-ce que je peux la prendre? La soirée est terminée. Mais tu peux la prendre aussi. Non, tu laisses dedans, ça va avec, chérie. Oui, mais en fait, ça se met là. Et donc, je vais en profiter pour clôturer le vlog et sûrement vous dire à demain. Parce que les travaux continuent. Donc, je risque de vous emmener avec moi. Donc, à demain. Bye bye. Et oh. Le papou. Ah oui, le papou Patrick. On dirait ma fille. Au revoir. Et ta main?